coup, normalement, je sais pas si t'es sur un ordinateur ou si t'es sur un téléphone, mais dans les infos de la chaîne, tu as les commandes principales de la chaîne. Sarah, text Dexter on Neville to your mom. It's not safe here, John. Don't worry, we take good care of her. Il y a Ellie et l'échafaud. Reste là, ok? Oui, Joël. Je ne bouge pas. Daniela et le capitaine Ryan sont jetés dans l'arène sous les regards avides des voyageurs et doivent s'affronter dans un combat à mort. Daniela saura-t-elle faire abstraction de ses sentiments pour le capitaine et sauver sa vie? Il fait pas une chanson? Oh Daniela! Et ouais, je suis un enfant des années 80. En gros, ceux qui ont atteint le niveau 30 sur ma chaîne, ils ont eu droit à une commande My Pack. Je me suis dit que c'était pas mal de marquer le coup au niveau 30. Parce que il faut avouer que les 25 premiers niveaux sont assez rapides à avoir. Enfin, les 20 premiers, on va dire. Je trouve que 30, ça marque une certaine fidélité à la chaîne. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. Dis-moi juste où aller. Oh, j'ai horreur de ça. Niveau 30, il se passe quoi? Bah, je crée une commande pour la personne. En général, à ce moment-là, on se connaît suffisamment pour que je puisse faire une petite blague sur toi. Draver qui arrêtait pas de dire des conneries, par exemple, si tu tapes point d'exclamation DRAVER, tu verras qu'il a une commande spécifique à lui. Et pareil pour Beagle. Ah oh putain, c'est cool ça. Tu vois, c'est rigolo sans être prise de tête. C'est à peu près le thème de toute la chaîne. C'est une toile de fond. Avant, les gens se faisaient prendre en photo devant. Ouais, je sais ce que c'est.
Bon, alors. Dis-moi ce qui va pas, Ellie. Je voulais pas te désobéir tout à l'heure. C'est juste que tu mettais vraiment beaucoup de temps, et je me suis dit... qu'il t'était peut-être arrivé un truc. Peu importe ce que tu croyais, il faut à tout prix que tu obéisses. Je sais, c'est juste que... Bon, laisse tomber. Oui, on va utiliser le piano, t'inquiète pas. Dès que j'aurai réappris à toucher la manette. On peut peut-être se servir de ça. Tu peux m'aider? T'es sûr que tu peux compter sur moi? Ellie... Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? On y va. Non, 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 reprends le caillou. Le caillou, c'est bien. Je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben... j'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le, enclenche-le, voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles, ok? J'ai compris.
Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Y'a pas de quoi. Cet abruti a vraiment merdé. Quitte à voler un truc, autant être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai? À sa place, j'aurais... Ils sont morts! Ils sont tous morts, putain! Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi! Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigies. Un putain d'intrus les a tués. Il les a tous tués! Mais même si tu passes qu'une fois par semaine, ou une fois par mois... Ouais. Il veut tout le monde à son poste. Faut surveiller le pont. Ok, c'est pas compliqué. On fouille la zone, on laisse passer personne. Si tu passes une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine, ça te fait de toi infidèle, hein, si tu passes de temps en temps. Il doit sûrement se tromper. À propos des autres? Je vois mal comment des intrus auraient éliminé toute l'équipe. Et si c'était vrai, c'est peut-être l'armée qui revient. Dis pas de conneries. L'armée n'en a rien à foutre de cet endroit. Et comme je dis souvent, l'important c'est que vous appréciez le live, le reste... Comme d'habitude. Je crois qu'on a été vu. Ouais. Je vais te manger. Sûrement se tromper. À propos des autres? Je vois mal comment des intrus auraient éliminé toute l'équipe. Et si c'était vrai? C'est peut-être l'armée qui revient. Dis pas de conneries. L'armée n'en a rien à foutre. Fils de merde! Déployez-vous! Oh merde! Oh merde! Tu vas... Change rien.
C'est l'heure de la fessée, on a perdu Miss Wolfie. Ah, elle était fatiguée. C'est pas ses meilleures semaines en ce moment. Les problèmes personnels, tout ça, tout ça. Regardez par là. Toi, va voir par là-bas. Tu parles à qui, mec? Il reste plus que toi. Nawak. On en est où là du combat? Oh!
pas cramer. Allez, ils peuvent pas être là. Je vais regarder de ce côté. Toi, va dans la boutique. On se déploie. Continue comme ça. Attrape ça. Oh. Ok. Descends. GG pour ton niveau 3. C'est un peu comme mon combat, ça va pas tout seul.
J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille? C'est juste pour les urgences. Ok. J'ai dit GG pour ton niveau. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord. J'ai dit que mon combat était pas allé tout seul. Je suis vraiment pas en train de vous montrer mes meilleurs instants de gloire. Non, on a pas de team. Quelle bande d'animaux. On n'a pas besoin des lucioles. D'accord, ce sont eux qui ont commencé le combat, mais c'est nous qui avons fait tout le boulot. C'est notre sang qui a coulé dans la rue. Je ne veux pas aller me battre dans d'autres villes. C'est à elles de gagner leur indépendance, et je refuse de recevoir les ordres d'un chef des lucioles à l'autre bout du pays. Je suggère qu'on se débarrasse d'eux avant la fin du combat. C'est notre ville, notre peuple. Je ne vois pas pourquoi on serait dirigé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut looter. Mon commentaire sur Silent Hill 1. Je t'avoue, comme ça, je l'ai pas en tête. J'ai dû dire un truc comme le jeu est génial, mais il y a un petit truc qui gâche tout, non? Ou alors je suis une tata, j'ai flippé comme une tata. C'est vrai que l'ambiance est vraiment horrible, les contrôles de la PlayStation 1 n'aident pas, hein. Typiquement, c'est le genre de jeu où tu vois que la rudesse de l'époque fait en sorte que tu passes, entre guillemets, de très mauvais moments quand tu dois te battre. Et pourtant, tu t'amuses. Le jeu est dur, le jeu est flippant, mais tu t'amuses. Bon, je pense que la deuxième fois, quand tu le fais une deuxième fois d'affilée, que t'es un peu mieux équipé, tu dois y aller finger in the nose, mais...
Mais la première fois, ouais, le jeu est bien bien tendu. Il n'y a qu'une chose que je lui reproche, c'est que visiblement tout un PNJ de l'histoire, je suis passé au-dessus. Bon, c'est de ma faute parce qu'à un moment en fait je suis allé trop vite. Par là, vous croyez? Vas-y, à toi de jouer, Ellie. Ça marche. La foutue chaîne est bloquée. Attends. Ouais. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Regardez, dans 5 secondes, ils vont me dire « Ah, mais on peut passer par là !» Aide-moi à l'ouvrir. Ah, moi je l'ai refait l'année dernière. J'étais sûr de jamais l'avoir fait, mais mon frère m'assure qu'on l'a fait quand on était plus jeune. Et vu qu'il a une meilleure mémoire que moi, bah, j'accepte le fait que bah, visiblement j'avais déjà fait le jeu avant. On dirait un bon emplacement. J'avoue qu'à l'époque j'étais plus Resident Evil qu'autre chose, donc. Ça devrait nous aider. Merde, baisse-toi, vite! On a de quoi faire, on dirait. Oh merde.
vont tuer tout. Merde, Joël. Je suis sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Reste plus qu'à trouver les deux du pick-up maintenant. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe là-bas? Poursuivons les recherches. Je veux que ce soit bouclé avant la tombée de la nuit. Enfoiré, fils de pute! Pas en rêve. Ouais, moi aussi j'ai hâte de pouvoir regarder ce qu'ils vont faire de Last of Us. J'avoue que j'ai beaucoup de craintes à ce sujet. Il y a beaucoup de suites qui se sont vautrées. Et au début, ils voulaient pas faire de suite à The Last of Us. Parce qu'ils pensaient avoir conclu l'histoire. Et j'ai un peu peur qu'ils fassent un bide avec le prochain parce qu'ils se sont forcés un peu à continuer. J'espère me tromper. Comment perdre des vies inutilement par bac à elle? Saute du camion plutôt que de sauter à côté. D'avoir l'équipe postée à l'est. Ils ont rien vu. Et Market Street alors? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par sortir. Je crois que c'est aujourd'hui. Joël, il y a un type au premier étage. Juste là. Putain, on peut pas désamorcer ça. Ouais, je le vois. Pas un bruit. C'est vrai, ils ont fait des jeux qui sont plutôt bien, Naughty Dog, donc il faut compter sur eux. Ah, c'était un tir magnifique. À 15 bornes, avec à peine de vision sur l'ennemi, rien. Thank you.
pourquoi elle s'est foutue au milieu du passage, Ellie? Attendez. Du coup, je l'ai eu ou pas, l'arc? Je sens que je vais le regretter, mais bon. Il faut que je puisse au moins prendre un coup. Au cas où. Je savais que j'aurais pas dû lui donner une arme. Ah non mais attends, ça c'est vraiment pas juste par contre, il était pas censé me voir à travers les murs. C'est vrai, c'est elle qui l'a tué.
manquer à Ellie parce que j'ai rien fait du combat. Je sais pas si ça sent que je commence à fatiguer. Au moins deux en bas. Je vois que tu préfères la jouer à la dure. Je te souhaite une bonne nuit, Maybach. Et j'espère bientôt te revoir. Enfin, bonne nuit. Bonne ce qui reste de nuit. Ce qui est déjà 4h40 du matin. J'aimerais bien faire un petit carton sniper. C'est vrai que c'est le week-end. Faudra m'expliquer quand même comment il arrive à tirer aussi loin le mec. Et merci pour le follow. On arrivera à 200 followers, je ferai une petite vidéo sur ma collection de jeux vidéo.
Bon, bon, bon. Je crois que j'ai perdu tout ce qu'il... A plus, my bike. Oh putain, ça me remet mes vies. Ça c'est cool. Bon, je crois qu'il a rodé que je savais pas tirer. La survie à tout prix. Quoi ? Le truc de la BD. On a fini de traquer les survivants dans la ville. Une poignée de soldats se cachaient dans l'hôtel, on s'est occupé d'eux. Quelques-uns
d'entre nous ont attaqué leurs fortifications, ou ce qu'il en restait. La plupart des gros engins ont été détruits dans la bataille. On n'est pas prêt de piloter un char, idem pour la grosse artillerie. Il n'y a que leur 4x4 qu'on a réussi à réparer, avec sa mitrailleuse calibre 50 montée en tourelle. Ce truc est indestructible. Je serais curieux qu'on vienne nous emmerder maintenant. Attendez, j'arrive, les gars. Merde. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille ? Tout le monde a une famille. Mieux vaut ne pas y penser. C'est pas faux. Comment pas y penser ? Fais-moi monter. Ok. Allez. Et voilà. On y est presque. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. L'école préparatoire militaire. Ouais, c'est un orphelinat en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. Donc, soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer, soit ils sont morts. Ou ils sont partis. Mais t'y crois pas. Je crois qu'il faut quitter cette ville. Allez. Non, c'est sûr qu'on n'y croit pas une seule seconde. En voilà une autre. Ces affiches sont partout. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai ? Et est-ce qu'il lui fait la peau ? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors ? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Prenons la ruelle. Oh, encore ce foutu camion. Ça va, reste accroupi. Encore un. 10. Continuez. Je sais pas, vous. Non, mec, 25. Tu déconnes. Je te jure. T'as 25 boîtes de bacon.
trouvé 24 boîtes de bacon, putain. On a casé le militaire de l'hôtel il y a longtemps. Et ben moi, on était resté et on a fait moitié direct. Et il est encore bon? Quand est-ce que t'en refais? A ton avis, j'en veux, tiens. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ce claqueur la semaine dernière. Je vais lui réfléchir. Oh, c'est bon. T'en ferais si t'arrêtes de remettre ça sur le tapis. Je sais que c'est si bon. C'est du bacon, bien sûr que c'est bon. Il a pas ce qui me fout le plus les nerfs, me dire que je fais de la merde ou me dire que je fais de la merde parce que le jeu me troll. Allez, couvre-moi! Compris! Allez, Joël!
putain. Ah. Je crois qu'on les a semés. Ben, il t'en a fallu du temps, Joël, pour réussir à aller tout droit. C'est mort par là. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu sais. Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Pas qu'elle, là. Pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurai sûrement...